Donc bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 23 ans et je suis apprentie en contrôle de gestion en recherche et développement chez Nexter. Et moi, je m'appelle Loïc, j'ai 23 ans et je suis technicien méthode chez Nexter. Pour commencer, j'ai réalisé du coup un bac TU, technicien d'usinage. Ensuite, j'ai poursuivi sur un BTS que je réalise actuellement chez Nexter. J'ai fait un bac technologique en gestion finance. Ensuite, j'ai fait un diplôme universitaire toujours dans la gestion finance comptable. Et l'année dernière, lors de ma licence, j'ai découvert le contrôle de gestion. Donc, j'ai cherché une entreprise. Donc, je suis avec Nexter en première année de master. J'avais des professeurs qui venaient de chez Nexter, où ils nous avaient parlé de l'entreprise et ça me plaisait. J'avais envie d'être dans une grande entreprise pour faire du contrôle de gestion. Donc, j'ai vu une offre et j'ai postulé et j'ai été acceptée. Pour moi, c'est assez différent. J'ai réalisé mon bac en apprentissage dans une base militaire. Pour moi, c'est tout naturel de poursuivre dans ce domaine pour approfondir mes connaissances dans celui-ci. Je conseillerais aux jeunes de faire l'apprentissage car c'est très gratifiant pour soi-même et aussi pour les entreprises. Le secteur de la défense est très ouvert, donc je conseillerais aux jeunes de se lancer dans l'apprentissage et pourquoi pas dans le secteur de la défense. Je pense que pour la défense, il faudrait s'y intéresser car on a un large panel dans la défense. Il y a un large panel de métiers et de corps de métiers, que ce soit par exemple pour ma part dans l'usinage comme technicien de méthode, ou comme pour Sarah où on a du coup de la gestion qui permet ensuite, ainsi de pouvoir en choisir sa voie.